Bah, je crois que la Bolivie, c'est pas mal. Il y a des gares désertes, à peu près au milieu de nulle part. Il y a des trains qui sont des bus et qui en fait sont des trains. Il y a des trains qui traversent des forêts luxuriantes. Il y a des trains qui ont une âme et même un cœur. Je vais donc parcourir la Bolivie, des plus hautes montagnes jusqu'à l'Amazonie, en train et surtout avec plein de Boliviens. La Paz, c'est un vrai choc. C'est là que je vais prendre mon premier train bolivien. La capitale la plus haute du monde, accrochée sur des versants où l'on grimpe de 3002 à 4000 mètres d'altitude. Ça monte, hein? Ça monte. La Paz, c'est ça. Des pentes partout. Vous pouvez pas prendre une rue qui n'est pas en pente. Tout ça, après... De 4000, donc avec peu d'oxygène. En fait, les gens qui habitent ici ne le savent pas, mais c'est des athlètes de haut niveau. Ici, rien n'est comme ailleurs. Les bas quartiers sont en haut. Les plus pauvres sont sur les hauteurs. À 4000, c'est là qu'il fait le plus froid. Et les riches sont en bas. Plus au chaud. Souvent protégés par d'épaisses murailles. Au milieu, c'est le palais du gouvernement. Et ce qui me frappe le plus à La Paz, ce sont les tenues, les visages. Ici, plus de 60% de la population est d'origine indienne. C'est le seul pays où les... Bonjour. Où les passages piétons, les zébras sont vivants. Gare,